valorisation des déchets domestiques, compostage. Mon histoire se passe au Sénégal, plus précisément à Tambacounda. Le projet SINVAT, système intégré de nettoiement et de valorisation des déchets domestiques, mis en œuvre par la mairie en partenariat avec la ville de Saint-Nicolas. Comment les déchets ménagers peuvent-ils être des matières premières? Ce qui m'a plus poussé à exercer ce travail au SINVAT, d'apporter des solutions aux problèmes des ordures ménagers et aux dépôts sauvages de ma commune. Le compostage est un processus naturel de décomposition de matières organiques. Composté à domicile, ces déchets biodégradables et bénéfiques pour son jardin et l'environnement. Il rend la terre plus praticable et plus fertile et offre une meilleure perméabilité de l'eau et de l'air. C'est un moyen qui réduit le taux de chômage dans une commune et aide la création d'industries. Ceci permettra de ne plus jeter des déchets dans la rue et d'éliminer certains dépôts sauvages, aussi de réduire ces déchets domestiques. On a créé des groupements maraîchers, des jeunes et des femmes qui participent à l'autosuffisance alimentaire de la commune. Mais parfois ces derniers y rencontrent beaucoup de problèmes, surtout au niveau de l'obtention de l'eau et de terre. L'utilisation du compost augmente la résistance des plantes aux maladies et donne une vie saine aux hommes. Ces aliments récoltés sont de très bonne qualité, différents à celui de l'engrais chimique. Le compostage, c'est contribuer à la prévention de votre environnement.